Je m'appelle Adrienne. Je suis une étudiante à l'Université de Caroline du Nord. Cet automne, je commencerai mon dernière année de l'université. Sur papier, je me spécialise au génie génétique. Mais j'étudie aussi les études franco-arabes et les beaux-arts. Cet été, je vais faire mes valises pour la destination de mes rêves, le Maroc. Je travaille depuis longtemps pour ce moment-ci. Je suis financièrement indépendant, donc mon chemin de Maroc était particulièrement difficile. Je travaille deux postes et j'ai postulé aux 12 ans de bourse. Oui, j'ai découvert que le prêt de l'université que je suis entendu ne va pas être disponible jusqu'après le commencement du programme au Maroc. Donc, sans moyen d'acheter un billet d'avion, j'ai créé un GoFundMe pour les dépenses de prêt. Après 2 jours, j'ai réussi. Je viens de Los Angeles et aujourd'hui, ma mère et mon père restent au Portland. Mais je n'ai pas assez d'argent pour les rendre visite. Donc, pendant mes jours finaux aux États-Unis, je passe le temps avec ma famille de Caroline du Nord, c'est Anthony Hall. C'est une société des artistes qui marche comme une fraternité pour tous les genres. Je suis directeur de maison et je suis président scolaire. J'ai beaucoup d'art dans la maison et j'ai les meilleures amies. J'ai rendu visite chez Matthews, des anciens élèves de St. Anthony Hall, avant de partir. Ils sont comme mes parents ici. Je passe aussi beaucoup de temps avec la lumière de ma vie, David. Je n'ai jamais voulu quelque chose aussi qu'étudier à Rabat dans ce programme d'IES. Je voudrais faire de la recherche indépendante aux minorités ethniques et religieuses au Maroc, particulièrement les Juifs, les Berbers et les immigrés d'Afrique subsaharienne. Je viens de prendre des cours de littérature franco-arabe et des Juifs arabes pour préparer et je veux aussi augmenter mon français et commencer à apprendre l'arabe. Il y avait beaucoup d'anticipation, donc bien sûr je suis effrayée. Mais pour côté ça, je suis surexcitée. Je viens de finir mon cadeau pour ma famille d'accueil à Rabat. C'est un collage en 3 parties de drapeaux américains. C'est plus d'une interprétation artistique. Et c'est un peu bizarre, mais je suis fière de ça. Donc j'espère qu'il l'aime aussi. Je décollerai demain. Je suis surexcitée de partager mes œuvres avec vous sur ce blog.